Bah, salut Mathieu! Hello tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. Je pense que je vous ai pas parlé encore aujourd'hui. The fuck? Il est rendu 2h moins 10. Ce matin, ça a été un slow morning, ça a été que ça sort les dimanches. Je me suis réveillé quand même tôt, il était 8h à peu près, je pense, quand je me suis réveillé. Puis, j'ai resté un peu dans mon lit. Je suis allé sur les Instagram et etc. J'ai pris ça bien relax. Après ça, je me suis levé. Je me suis fait réchauffer les crêpes qui me restaient de mon déjeuner d'hier. Fait que j'ai déjeuné ça. J'ai fait du montage. J'ai un vlog de terminé déjà. Je suis vraiment en avance. On est dimanche. Puis ça, c'était le vlog de mardi. Fait que mon vlog de demain est déjà tout prêt en ligne et tout. Puis là, je suis en train d'uploader le vlog de mardi. Fait que j'ai comme un une journée et demie là peut-être environ d'avance. Fait que vraiment bien pour ça. J'ai fait un petit peu de ménage aussi. J'ai placé ma table, elle est terminée. J'ai-tu fait une couche en matin? Oui, j'ai fait une couche en matin aussi. Je savais que je sais plus tellement que j'en fais. J'ai fait la deuxième couche de peinture et c'est la dernière. La table est rendue blanche. Puis ça a vraiment fait un beau fini. Je sais pas si juste de l'avoir sablé puis avoir utilisé la peinture de l'eau, ça aurait fait aussi beau. Parce que c'était vraiment moins cher que la peinture du Rona. Mais, tu sais, je veux dire, ça a fait une super de belle job. Vraiment content, je vais vous montrer ça après. Là, je suis allé faire des petites commissions. Je suis allé premièrement imprimer les retours pour Amazon. Fait que j'ai ça deux fois, je vais pouvoir aller envoyer ça tantôt. Je pense qu'en allant courir, je vais aller porter ça au bureau de poste. Une pelle pour la litière à Zara parce que je trouve plus la mienne, je sais pas elle est où. Fait que ce matin, comme vous l'avez vu, j'ai vidé sa litière, je l'ai vidé au complet parce que là, je trouvais plus ma pelle. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ça pendant le déménagement. Mais je la trouve pas. Puis anyway, c'est une équipe là, fait que c'est pas très grave. Je dois aussi vous regarder pour du vernis pour ma table, mais il n'y en avait pas au Dollarama, fait que je pense que je vais en commander sur Amazon. Puis aussi de la pâte à cheveux, je prends la Redken, puis il n'y en avait pas à la pharmacie. Je pense pas que ça se vend en pharmacie. Fait que j'en commandais aussi sur Amazon, j'ai vu qu'il y en avait. Puis je me suis pris des petits napperons pour ma table, fait que petits motifs comme ça, beige avec les motifs blancs. C'est les plus beaux que j'ai trouvés, qui futaient dans mes couleurs. Fait que j'en ai pris deux. Puis je vais pouvoir mettre ça sur ma table. Là, comme je vous dis, je vais commander sur Amazon tout de suite ce qu'il me manque, soit le vernis et la pâte à cheveux. Je m'habille pour aller courir, il fait un gros soleil. Il a l'air de monter un petit peu, moins 5, fait que ça a bien de l'allure. Puis après ça, je vais aller courir, je pense que je vais y aller genre une heure. Une course de une heure, ça fait super longtemps que je suis pas allé comme longtemps comme ça. Je faisais plus des demi-heures ces temps-ci. Mais là, j'ai comme le temps aujourd'hui. Fait que je pense que je vais faire une longue course. Puis je pense que je vais m'entraîner cet après-midi, dans le fond, l'entraînement que je serais supposé faire demain. Parce que je suis supposé aller patiner avec ma cousine en après-midi. Fait que sûrement que j'irai pas courir. Puis que je m'entraînerai pas non plus demain. Fait que je vais comme devancer ça à aujourd'hui. J'ai appelé aussi Malo ce matin pour savoir si elle travaillait. Puis qu'est-ce qu'elle faisait sa journée. Parce que je veux qu'on aille marcher sur le Mont-Royal parce que ça fait super beau. Mais elle travaillait. Fait que c'est pas plus grave que ça. Comme je dis, je vais aller courir puis ça va très bien faire aussi. On a parlé genre une heure sur FaceTime puis on fait souvent ça. On se FaceTime, ça veut dire qu'on parle plus. On est juste comme ensemble sans se parler puis on fait nos affaires genre. Ça a l'air de ça, le petit coin de table. La table est super belle, ça a vraiment comme bien fait. Il n'y a pas de vieilles traces comme ça faisait avant. Là, j'ai mis les deux napperons au centre avec une petite chandelle. Puis finalement, j'ai mis le banc là-bas avec les décos, dans le fond, le pot du Village des Valeurs de cause de la Rama que je vous ai parlé dans un vlog là, hier ou avant-hier, là, dans un des derniers vlogs. Fait que le petit coin a l'air de ça. Je trouve ça vraiment cute. Puis là, c'est ça, comme je disais, il va manquer quelque chose ici. À voir quoi, mais bien content. Mon petit coin salle à manger. Puis là, moi, même outfit qu'hier, ma veste, chandail long, mon petit cache-cou, je vais mettre mon bandeau. Puis ça va être ça pour la course. Je pense que je vais mettre des lunettes de soleil aussi parce qu'il fait vraiment soleil. Puis avec la neige, quand ça reflète, c'est comme dur un peu ses yeux. Fait que lunettes de soleil avec ça, ça va être parfait. Je suis allé courir, je me suis entraîné, ça me tentait vraiment pas de m'entraîner. Courir, ça me tentait parce qu'il faisait beau puis j'étais dans le mood pour ça, mais m'entraîner, là, je l'ai fait, là, mais ça me tentait pas. Mais là, je suis content que ça soit fait. J'ai couru finalement un 56 minutes, genre un petit peu moins qu'une heure, mais quand même, c'est ma première course aussi longue depuis genre
novembre, décembre. Depuis comme cette année, j'ai juste fait des vraiment petites courses. J'avais vraiment beaucoup réduit parce que la motivation n'était pas là. Fait que très content, il faisait super beau. Je suis allé sur le Mont-Royal, vous insérez une petite photo ici que j'ai prise à mi-chemin quand j'ai viré de bord. Il y avait vraiment beaucoup de monde, bien évidemment, c'était dimanche. Dernière journée de la semaine de relâche, il y avait plein de monde qui marchait, qui glissait. Fait que très belle course. Là, je me suis fait mon petit smoothie à l'ananas. Il est vert parce qu'il y a les épinards. Puis je voulais vous dire ça aussi, j'ai oublié tantôt. Pour dîner, j'ai mangé des burgers de poulet VG de Yves, puis il était vraiment bon. Souvent, les trucs de Yves, je trouve que ça a comme un arrière-goût, comme faux un peu, là, à cause que c'est pas de la vraie viande, mais ça, c'était vraiment bon. Je vais certainement en racheter. Puis après ça, comme petit dessert, j'avais mangé les pranas aussi que je vous ai montré dans un vlog d'épicerie. Puis vraiment bon, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le sac, puis c'était quand même cher. Fait que pas trop souvent. Pas trop souvent, puis pas trop en grande quantité parfois, parce que sinon, c'est pas long que tu passes au travers du sac. Là, je pense que je vais tout simplement comme relaxer, écouter des vidéos. Je suis pas allé encore porter finalement mes colis de Amazon parce que là je voulais y aller avant d'aller courir, mais il aurait fallu comme que je rentre avec un masque. Puis là moi je partais directement pas de masque, il aurait fallu que je traîne mon masque en courant. Ça j'aurais pu le mettre genre dans mes poches là, mais ça me tentait pas, fait que je suis pas allé. J'irai peut-être ce soir, sinon demain, c'est pas plus grave que ça. J'ai comme en masse le temps de retourner ça. Puis ce soir ça va être relax, c'est Star Academy et Big Brother vu qu'on est dimanche, fait que je vais écouter ça assez relax. Fait que mon petit souper, un riz aux crevettes à l'ail, j'ai crissé des épinards là-dedans. Je crisse un peu des épinards dans tout. Parce que là, j'ai un gros pack, fait que je vais pas de un les perdre. Puis de deux, je trouve que ça goûte rien. Fait que tu peux en mettre dans plein d'affaires pour en manger. Puis c'est ça, ça goûte pas. Fait que je me suis coupé de l'ail, fait que ça dans mes crevettes. Avec un petit riz. Ça sent trop bon, sel et poivre. Fait que bon app! Grosse soirée à rien faire. Je viens de finir d'écouter Big Brother, puis honnêtement, je suis tellement content que Camille ait gagné. Là, vous regardez ça, c'est un peu comme décalé, là. Je pense que c'est comme une semaine à peu près de décalage, je pense, là, entre le moment où je filme et où c'est sur YouTube. Mais c'est Maxime qui est parti. Moi, ça me dérange pas. Je l'aimais bien, mais ça me dérange pas qu'il soit parti. Mais que Kevin ait sauvé Camille, puis que là, Camille gagne le veto. C'est mon calice de rêve. Moi, mon rêve, c'est que l'alliance de Kim, Jean-Thomas et François, que ça dead. Puis tu sais, d'après moi, c'est sûr que Camille va mettre quelqu'un, genre deux personnes de ces trois-là, en danger. Fait que mettons qu'il y en a une qui est sauvée, elle va mettre l'autre. Fait que c'est sûr que c'est... Ben, je pense. Je pense que c'est une de ces trois personnes-là qui part. Jean-Thomas, Kim ou François. Fait que ça va peut-être briser genre leur alliance, mais à voir. Mais je suis vraiment down. Genre... Je suis vraiment content que Camille n'allait pas comme lâcher parce qu'il y a un bout, il était tout seul. Là. Quand Lisande et Close ont parti, elle était tout seule. Elle a pas lâché, puis elle est rendue patronne. Elle a Kevin qui est pas mal rendu avec. D'après moi, Richardson, il est facile à changer de bord parce qu'il avec l'alliance de 3, mais pas tant en même temps. Il est comme là par défaut. Fait que d'après moi, il y a une manière de comme de briser cette alliance-là. Fait que je serais vraiment down. Fait que là, je vais écouter Star Academy. Puis je vous reparle après. Same spot, quelques heures plus tard. Je viens de terminer Star Academy, puis c'est Megan qui est partie. Puis là, je vous parle de ça, je sais même pas si ça vous intéresse, là, mais comme... Moi, j'écoute ça, fait que je vous en parle. Un peu déçu, mais j'aurais été déçu, peu importe qui partait, parce que Guillaume était très bon. William, j'aurais été encore plus déçu, parce que je pense que c'est mon préf de toute la gang. Puis Megan, je la trouve super bonne, mais bon. Il y en a un des trois qui allait partir, de toute évidence. Fait que moi je vais conclure le vlog ici. Je pense honnêtement que c'était vraiment un vlog plate parce que j'ai vraiment pas fait grand chose comme de ma journée. C'était vraiment un petit dimanche relax. Mais demain, début d'une nouvelle semaine. Puis je suis supposé aller patiner, comme je l'ai dit, avec ma cousine. Fait que je vais vous apporter dans ma journée. Fait que j'espère que vous avez aimé le vlog. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un thumbs up, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Puis nous, on va se revoir demain. Ciao!